tu seras déconcentré dans ton cherchement. Et sans comprendre, tant que tu n'as pas compris que tu n'as pas besoin d'une relation actuellement, là, tu seras toujours en train d'accuser l'amour, tu seras toujours en train d'accuser les relations en fait. Tu seras toujours en train de dire que la relation est mauvaise, l'amour c'est mauvais, l'amour est mauvaise, alors que c'est ton plan qui est mauvais. Exactement. Merci beaucoup. N'a pas bon. Voilà, ton plan n'est pas bon en fait. C'est comment? C'est comment les gars? Voilà, vous connaissez non? Le chien mon frère c'est encore le clasher regardé. Le clasher voilà. Regardé. Donc, voilà. Aujourd'hui là, on vous parle de quoi en fait? Comment est-ce que les relations hommes-femmes peuvent vraiment te freiner sur ta route du succès? Peuvent vraiment te freiner dans tes entreprises en fait? Voilà. Comment ça peut te freiner? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, elle lui laisser la parole. Il va nous parler un peu. Yo, les gars, vous connaissez mon clash, regardez. J'ai mon gars Dave. Voilà, vous savez, quand on est ensemble pour moi, c'est pour des révélations, c'est pour des gâtements. Voilà. En fait, là, on a un souci, nous, les gars. Surtout nous, les jeunes. Là, on va s'adresser aux jeunes qui se cherchent, les brouilleurs. On a du mal à comprendre que pendant notre période de développement, notre période de cherchement, là, les relations ne sont pas forcément bonnes pour nous en fait. Merci beaucoup. Les relations peuvent être un problème pour notre évolution. Ça peut être un ralentissement, ça peut être une distraction, ça peut représenter un blocage même pour ton évolution. Pourquoi on dit ça? Parce que pendant que tu es en train de te chercher là, sans se mentir, tu n'es pas dans toutes les conditions pour pouvoir faire avancer une relation. Merci beaucoup. Voilà. Parce que ouais, l'amour peut être fond de toi. Tu peux être fond de l'amour. Mais certaines réalités vont faire qu'elle aura des réactions. Si ce n'est pas une bonne go, et même quand c'est une bonne go encore, ça peut arriver. Elle aura des réactions sans vouloir te toucher, mais des réactions qui vont agir sur toi en fait. Des réactions qui vont agir sur toi émotionnellement, psychologiquement, au point où tu seras déconcentré dans ton cherchement en fait. Tu seras déconcentré dans ton cherchement. Et sans comprendre, tant que tu n'as pas compris que tu n'as pas besoin d'une relation actuellement là, tu seras toujours en train d'accuser l'amour, tu seras toujours en train d'accuser les relations en fait. Tu seras toujours en train de dire que la relation est mauvaise, l'amour c'est mauvais, l'amour est mauvaise, alors que c'est ton plan qui est mauvais. Exactement. Merci beaucoup. N'a pas bon. Voilà, ton plan n'est pas bon en fait. Ton plan de développement n'est pas bon. Tu es en train de marcher avec une go qui est fond de toi. Elle est prête pour toi. Tant qu'elle est prête pour toi, là, il y a foyer. Hein. C'est-à-dire que quand tu es brouillé, là, tu n'as pas cherché femme en fait. Merci. C'est celle qui te veut là, qui va venir vers toi et puis vous allez marcher. C'est celle-là qui va te faciliter la vie. Mais tant que tu es chercheur et puis tu veux forcément avoir une go, tu veux forcément chercher une go pour la mettre à côté de toi et la mettre dans des conditions que toi-même tu n'as pas là, tu vas toujours rater ton plan en fait. Claire. C'est pour ça qu'il y en a qui réussissent avant d'autres. C'est pour ça qu'il y en a qui réussissent après d'autres. C'est pour ça qu'il y en a qui ne réussissent jamais aussi. Exactement. Ils merci. Sont pas Aditya. Il y a quelque chose qui est là. Quand on est jeune là, quand on est jeune, le désir sexuel est vraiment élevé. Et ceux qui arrivent à contrôler leur désir sexuel, ces personnes-là réussissent vite. C'est pour ça que je vous parle de transmutation sexuelle, c'est pour ça que je vous parle de rétention séminale en fait. Quand tu es en relation avec une femme, la femme a besoin d'attention aussi. Ton business a besoin d'attention. Merci. Toi-même tu as besoin d'attention, de ta propre attention. Et il n'y a pas vraiment de temps. Quand tu commences à être quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est sérieux dans son développement personnel, tu remarques que ta ressource la plus précieuse, c'est ton temps. La femme demande ton temps. Et si tu ne lui donnes pas ton temps, sérieusement, elle va partir. Donc, il faut que tu aies une phase où c'est un choix personnel de rester seul. Reste seul pour chercher le succès. Reste seul pour chercher le succès. Comme je vous dis, laissez les femmes vous choisir. Parce que quand tu ne laisses pas la femme te choisir et que tu es dans une position de cherchement et malgré ça tu cherches les femmes, quand tu cherches les femmes, il y a beaucoup de choses que tu négliges. Clairement. Tu te négliges toi-même. Tu as commencé à la poursuivre.
entend ça demande de l'argent. Chercher femme, ça coûte de l'argent, les gars. Claire. Je dis la vérité. Claire. Chercher femme, ça coûte de l'argent. Vous allez devoir manger. Vous allez aller en date. Tout ça, c'est de l'argent qui sort. Entend cet argent peut être investi dans ton avenir. Tu vois un peu? Donc, je préfère que tu restes seul. Frère, reste seul. Tu es tellement focus quand tu es seul, tu peux pas croire en fait. Voilà. Donc, il a regardé une vidéo la dernière fois qui disait ta copine est la raison pour laquelle tu es broke. Ta copine est la raison pour laquelle tu es pauvre. Amitié Lévier. Parce qu'elle ne fait que prendre ton temps, ton énergie et ton argent. À quel moment toi tu deviens riche? Quand? Question. À quel moment toi tu deviens riche? Donc, il faut que tu comprennes que c'est important pour toi d'avoir une phase. C'est pour quelqu'un qui veut vivre réussi. Parce que c'est ça qui fatigue nos parents. Ils disent non, toi, tu es jeune, tu as 20 ans, toi, tu es devenu millionnaire. Parce que quoi, nos parents, ils poursuivaient les femmes à cet âge-là. À 20 ans, il est là, il cherche toutes les femmes du quartier, c'est trophée pour lui. Si toi, tu comprends les erreurs de nos parents, tu ne fais pas la même chose. Tu as vu qu'au lieu de réussir à 50 ans, 40 ans, tu as réussi à 30 ans, 35 ans. Merci parce que beaucoup. Tu n'as pas poursuivi les femmes. Frère, les femmes, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Quand tu la laisses te choisir, elle vient, elle sait qui tu es. Elle sait que lui là, il n'est pas millionnaire, il est en train de se chercher. Donc elle aime ce qu'elle voit. Merci tu lui as pas dit que tu es millionnaire. Elle aime le fait que tu te cherches. Tu n'es pas millionnaire, mais tu es en train de te chercher. Tu es en train de chercher à devenir millionnaire. Là, c'est une femme qui t'aime. C'est une femme qui ne va pas te casser la tête. Parce qu'elle est venue te trouver dans le cherchement. Mais quand tu t'en vas chercher, tu es obligé de dire non. Bébé, allons manger ici. Tu veux l'impressionner, tu es simple, tu veux l'impressionner, ça te coûte de l'argent. Et ce mode de vie, ce dans quoi tu as commencé, elle, dans les dates chères, dans les trucs chers, tu l'envoies ici pour aller kiffer tout ça, tu vas devoir maintenir ça. Pourtant, tu as quelque chose, pourtant, tu as quelque chose d'autre à poursuivre qui demande ton argent et ton attention et ton temps. Si tu arrêtes, tu as devoir jongler. Merci. Tu as devoir jongler. Un homme ne peut pas poursuivre 2 mètres. Merci. C'est le truc. C'est biblique, un homme ne peut pas poursuivre 2 mètres. Mais soit tu négliges tes affaires et tu vas te concentrer sur ta relation, soit tu négliges ta relation et tu vas te concentrer sur tes affaires. Et quand tu vas te concentrer sur tes affaires, elle va partir. Quand tu vas trop te concentrer sur elle aussi, elle va partir. Non, voilà. C'est qu'il est en train de dire, c'est une réalité en fait. Et je t'explique pourquoi en fait ça devient un problème. Pourquoi les problèmes commencent à venir quand tu es dans une relation où chacun se cherche. La différence entre toi et le pointeur de Dabo, par exemple, c'est que le pointeur, là, il a fini d'avoir son argent. En fait. Les pépins. Et puis même s'il n'a pas fini, là, il est en train d'avoir son argent. Donc lui, là, quand il vient, là, il vient voir ta go, il vient prendre ta go, il vient sortir ta go, il vient l'emmener dans des coins, dans des coins, dans des coins. Ça te déstabilise. En fait, le problème, c'est pas que le gars qui est le problème, mais tu es déstabilisé parce qu'au fond de toi, tu es conscient de ta situation. Exactement. Tu sais que tu ne fais pas le poids par rapport au mongol. Exactement. Tu sais que tu es un poids plume, et puis lui, là, c'est un poids lourd. Heavyweight. Donc, quand c'est comme ça, là, tu te retrouves à avoir des réactions excessives. Tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'elle ne va pas partir? Est-ce que? Ça, c'est dans le cas où c'est toi qui allais chercher la go, en fait. Exactement. Sinon, quand c'est elle qui t'a choisi, là, ça ne cause pas de problème. Claire. Elle va gérer ça. Même quand tu es en cherchant, elle est dans ton cherchement. Elle est dans ton cherchement. Et puis même les morts qui sont autour d'elle, là, elle gère ça. Claire. Elle sait comment elle gère ses oui. Les go là font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Elles ont le choix. Voilà, donc tu la laisses en fait. Tu la laisses venir à toi. Parce que quand elle sait que c'est elle qui est venue là, elle n'a aucune raison de venir te casser là. Elle est venue dans ton monde. Donc elle est venue dans les autres. Elle embrasse ça en fait. Elle embrasse tout ce qu'elle retrouve là. Elle aime ça. Et puis l'espoir de voir que tu es un moment, tu te cherches. Ça lui donne espoir en fait que un jour là ça va aller. Et puis elle est motivée 2 fois plus à marcher avec toi. Exactement. Donc là, ça vous pousse à rentrer dans un certain level de vie qui n'est pas votre level de vie. Surtout pour des gars qui n'ont pas compris qu'en fait, c'est eux le package en fait, c'est eux le trophée en fait. Ils n'ont pas compris ça, donc eux dans leur tête là, pour ne pas que la go parte, faut que je me mette au même niveau que son pointeur. Et là tu commences à te jouer les simples. Tu commences à devenir simple. Et là elle te laisse. Elle te laisse parce que là, tu n'es plus toi en fait, tu es en train de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, ce n'est rien d'autre que son pointeur en fait. Ce n'est rien d'autre que son ex en fait. Ce n'est rien d'autre que son ami qui veut la séduire, mais qu'elle ne veut pas.
mais à cause de ton comportement à trembler parce que tu sais qu'au fond de toi il y a des choses qui vont pas, tu finis par la laisser aller en fait. Exactement. Merci. Donc laissez l'ego là venir à vous. Laissez-la venir à vous parce que vous n'allez pas pouvoir combattre l'état d'esprit d'une go. Dès qu'elle rentre dans un état d'esprit de je veux partir, elle va partir. L'hypergamie est imbattable. Voilà. Thank you, my guy. La seule manière de combattre l'hypergamie, c'est ton travail acharné. Clairement. C'est quand tu joues au jeu. Le vrai game, c'est le travail, les gars. Le vrai game, c'est ton travail. À quel point tu travailles? La séduction là, c'est ça, ce que vous comprenez pas. Je parle pas de vos petites go bêtes bêtes que vous cherchez là. Les bonnes go là, la clé de séduction d'une bonne go là, c'est de voir que je suis face à un gars qui n'est pas encore riche, mais il a la vision d'un gars qui va devenir riche. Travailleur. Plus elle te voit intelligent, plus elle te voit en train de bosser, en train de faire des ways, plus tu es séduisant en fait. Claire. Elle voit que demain, plus tu es bosseur, plus tu es intelligent, plus tu es séduisant à ses yeux. Merci. Elle voit que demain, là, ce gars-là, ça peut être un Bill Gates. Claire. Elle voit que ce gars-là, demain, ça peut être un Bob Marley. Elle voit que ce gars-là, demain, ça peut être un DJ Arafat. Elle peut la lire l'avenir. Voilà, donc elle se voit à tes côtés. Elle est fond de ce mood-là, en fait. Donc, commencez à vous concentrer, en fait. C'est en ce sens-là qu'une relation peut être un blocage pour toi. On ne vous dit pas que quand vous êtes en train de vous chercher, que vous avez l'occasion de tomber sur une bonne go, de vous en débarrasser. C'est pas ce qu'on vous dit. Parce que concentrez-vous, quand on vous parle, concentrez-vous. Ne restez pas focus sur l'énergie qu'on dégage. Restez focus sur le fond du message qu'on dégage. Exactement. Parce que vous vous perdez dans nos messages. Voilà. Quand tu vas voir que la go, elle commence à s'investir en toi, elle commence à faire des choses. Apprécie ça et puis marche avec. Merci. Le jeu avait parti. Le jeu avait parti là, il y a foi. Et il y a peu de chances qu'une go parte lorsque c'est elle-même qui est venue. Mais il y a beaucoup de chances que la go parte lorsque c'est toi qui allais la chercher. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Il n'y a plus de conseils, les gars. On a fini un coup. Voilà. Mais c'est tout ce que moi et puis Dave en train de vous dire là, vous ne comprenez pas là. Faites ce que vous voulez. Quand vous allez prendre les pots cassés de ça, vous allez venir nous trouver sur YouTube ici. Un garçon ne cherche pas femme. Un garçon se cherche. Il se cherche. Voilà. Voilà. Vrai garçon. Gérez vos kikis. Il se cherche. On est ensemble là. Gérez vos kikis. Voilà, buvez-le. Voilà. Gérez vos kikis, c'est important. Thank you, my guy.